yewtere meɗen ɗen hannde ɗo en falaka e nde juutu. Donc haray ande mo kala ka woni ɗon hiɗo weltana, hiɗon salmina, hiɗon jarna kañum kadi o tentuɗugol meɗen ɗo. Hande ɗo yewtere meɗen nden ko fi toɓɓe tati. Toɓɓere aranar nden en yewtay fiko ko inneteɗo o système. Système tawɗo gibi 1958 ka independance henda no woodi ɗin ɓeygureji, no woodi ɓe yimɓe tawɓe hiɓe haɓɓiti ɓuttu e ngaluuji lagine ɗin fuu ko e sookeeje maɓɓe wonata. Kamɓe ɓe heɓu fuu kono ɓiɗɗo lagine kañum yo wontir ɓaawo no waɗiri o. Ko ɗum waɗi leydi meɗen ndin no tawa e ɗin tawɗi ko arani hendaaɗi hendagol indépendance. Se ndaari sous région meɗen on ɗon e nder Afrique de l'Ouest on ko ati en wo hendaade indépendance ko Ghana, lagine woni ndin leydi araniri hendidi indépendance. Kono si yeƴƴitike ɗo lowre nden e ndaari lagine han jooni no yiltiti ɓaawo ɓuri ɗin peyiji tawnoɗi ɗi hendi no indépendance o ɓaawo. Honndu waɗi ɗum ko système woni ko ñoƴƴi ɗon. On noon système ene ko leñol gootol woni e nder on système contre leñol gootol kadi ko ɗum woni ko ndaarete no jaaboroɗen ɗo. Question ɗi mo on ko konko tawata kadi haray no jomodiri e o ngallandal aranar ɗo. Ko konko tawata haray woɓɓe no wi'i pullo fuuta haana hewtude ka laamu. Fi hon ɗum so ari ka laamu goo tawo ko o vansotoɗo, ko ɗum woni o yottoto ɗin heɓaaɗi waɗuɗi e hoore makko. Ɗo noon taw yo hewtu ɗon kadi ka woni ɗon tawi o hewtaali taw ka tawata haray woɓɓe goo faalaka yo pullo on hewtu ɗon. No woodi ɓen wonɓe e bakkude hoore makko ɗin tuunuɗi ma ɗin ellaaji fi yo jama on taw añumo sakko jaɓa yo ardaade yeeso. Kono no woni ɗin ko wiwgol pullo ko makkinoowo goɗɗo, pullo ko añuɗo leƴƴi luttuɗi ɗin. Hannde noon haray en ndaaray no loŋoroɗen ɗum ɗon moƴƴa ndaaren si koko wona e wowleede ɗon yarɗi hino tabiti ko goonga pullo ko añuɗo leƴƴi luttuɗi ɗin, ko tawɗo, ko waɗoowo doole e hoore luttuɓe ka ko o toñiraaɗo ɗum ɗon hina goonga. En ndaaray no jaaboroɗen ɗum ɗon. Toɓɓere tammere nden haray ko koko tawata haray Alpha Condé hino yalti no yewtaade ka ɗanningol hakkille yimɓe ɓen waɗa diversion on ɗaynama ɗum wi'en tun fenana jama on. O wi'i wondema himo lansi projet minier, o lansi activité minière ji ka zone Boke. O wi noon haray on train réseau ferroviaire mo waɗi ɗon mo tawata haray ko train je woni e gollude e makko. O yini ɗen train je ɗon haray ɗe yaltinayi jawdi leydi ndin kono ɗi wallitoto kañum kadi ɓen remoɓe. Haray noon nde yewtere meɗen hannde ɗo koye ndaaruɗon yerli ko ko wiɗon hino waawa gasude. Ene jaso leydi gasiday e remo leyɗe, si tawi ɗum waawa hejjidude ko honno ɗum hejjirta, si waata hejjude yaltinen noon haray konko tawata haray ko ɗayne e goonga on. Haray noon mi torike Allah yo hawrindinan e sawaba e koko mon e yewtude ɗon. Mi torike Allah yo wufinan ɗin ɓurɗi e moƴƴude, ɗin ɓurɗi e feewude nafooji lan aduna e laahara. Mi torike mo kanko kadi yo faamin on ono wonɓe e jentaade ɗo konko ɓuri wondude e nafa. Si faljere ari e nder ko mon e yewde ɗo kon haray ande piiji tati. Go'o go'o komi neɗɗo komi faljowo, hina mi tawɗo kañum kadi miɗo toowi e gandal, mi toowa e duuɓi, hakkille an kañum kadi ko e fendagol woni. Donc haray onon wallite aron moƴƴintinanol lan kala konko tawata mi oñike aron wurton. Ɗimmel muɗum si ella ari nder ton ande haray ko seytane woni ko yewtinimmi, si hawri ton kadi e sawaba ande haray ko Allah woni ko hawrindinimmi e sawaba on. Haray o tan weltano lan weltanoɗen Allah. Tammel komi faalete yen faamu ɗon nde yewtere nde mowoni yewde ɗo tawore nden himmiɗo yewtude nde e pulal mi artoya kadi e français. Donc kala on tawɗo komi yewti ɗo kon feewanaali mo wataw ƴettude soɓɓude e komi yewti kon tum o yawta. Yo ƴettu soɓɓu coɓɓuli ɗin fop o hawtindira o jonna on mo woni yettinde. Hara on tigi ƴettaali seeɗa tun yettina yaltina yewtere an nden e nder contexte mayre on. Haray noon ɗo yen wadde ɗum ɗo ka tawata miɗo tori Allah sawaba e muɗum. Mi faalete haray yen fuɗɗortaw ko sakkitorɗen yewtude ɗo kon fi yo hakkillaaji meɗen waaw udditanaade konko tawata haray hiɗen sutanaade ɗo jooni. Konndu no woni konko wonɗen e sutanaade ɗo ko koko tawata haray ɗen anndi ɗo c'est un sujet complexe. Pourquoi le sujet est complexe? Parce qu'il s'agit de parler de l'ethnie. Et lorsqu'il s'agit de parler de l'ethnie, c'est comme si on est en train de marcher sur des œufs. Marcher sur des œufs suppose que nous soyons très fins, que nous soyons très agiles et que nous soyons très habiles. L'habilité dans le maniement, c'est plus facile que l'habilité dans le langage. Quand on est habile à manier une chose, c'est possible de le faire sans qu'il y ait trop de dégâts. Mais lorsqu'il s'agit de manier sa langue, de la manipuler, de parler de quelque chose d'aussi sensible que l'ethnie, il faut vraiment s'attendre d'abord à ce qu'il y ait un dérapage dans le langage ou bien
qu'il y ait une mauvaise interprétation de ce que nous sommes en train de dire. Mais qu'à cela ne vienne, il faut se dire les choses et prendre le risque de parler parce que il y a quand même un espoir que parmi ceux qui vont m'écouter aujourd'hui, qu'il y ait ceux-là qui vont entendre ce que j'ai dit pour l'analyser avant de réagir. J'espère que ça va être votre cas. Donc, quand vous avez un foot d'ordre, 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 ko jibindir go leydi ndin o woni ko woni wo ko yo wuggotun e mudum ala ndarude yollorde e jawrude si o wada sendari do dubi sappo gibi Alpha Condé ari kalamu feondo arno en 2010 hari mo marno din avantage tawno di si o gollitiridi himo wawno yaltitoyde nokugo fi kala o ardirali kalamu no haner nono kono hari feondo ontuma no woduno wadno be tama o makko inni go go tawo o wadi 40 ans de lutte. Inna ino foti ka o yobitire ngon cippiro makko don fo accugolo hendo lamugum parce que si fe ino den hitande don watano hande kadi presentade donc ka yurme gole ka teddingol jama on accimo o feji email mudum kadi ino tawano e konko tawata yimbe no watno ka hakkil wi bay tun kanko jabali gollidude e lamu konte ngon ontu ma ilale meme propre donc so ari o wada changement ko duwadi o arday e konko tawata ko pehe kese de tawata si ardinama hakile mudum wallitama leydi naginde ndi yara yeso ko ndu no jama wadi dum lagine tampi mo ja sonjama inna joni yo acce o hikko yeso donc tayontuma hari mo marno taw cella buri hande ka dubi kadi hari o ronkitirali wanoni ide ngandi dalla vie de tout homme son dari hadi passeport gino mo inirte validité passeport burdo e dudude on ka gandalan ko dubi sappo fi honnum ko parce que no anda e der dubi sappo piji busara e wayi dim piji tawoji wayla e neddo on ka hakkilaji e ka bandu donc Alpha Condé si tayara mo marno plus d'énergie ka warno en 2010 na on énergie o mari hande si mo marno confiance jama on ina on confiance o mari hande parce que jama on yibe andi o gainata be holi ke mo be jonni mo chance jibe ni acceng o golla o yaltita di jama on ka o yaltido joni non hande do nayew ari nawnare watti ke don dole manki pehede lannirimo ko hande do non o faala faaminande jama o wondema ko ko ronku no wadde ko fop gibi o ari kalamu ko joni non o wata wadde nuno ino tawa idin di Alpha Condé jibindiri e leydi din yettugol do wada ya jentiti wada do wi'a lunni ko ndu woni dum Alpha Condé warno inni taw o wada train mini train passager iwo lagine yaha Burkina Faso on train an joni mo moddine de mi yali ma taw mi jawale makko c'est pas grave o yimi o ari o ukki mbudi e electricité mbudi di tawata gouvernement jidin fossi di hawtinira ma gibi tanse ko haka wari o jetti non nadali wasifa di mbudi e kuran kono kite yite yaka turkiyaka no tawa idin Alpha Condé ka wardu no mo oyno no césarienne wona gratuit ko du woni jibino ben hibe wawi yade be jibina sitay redu ko segete dum harabe yobinaka hayfus e yi kankan kay na don basio makko ko don suddi do falano do firtade feini fi angal jogitede tambite wadane konko widon promesse jidi no dudi seini en ara e majji fop hande ko do walete bayno ara en wi yewterende na en jutinde Alpha Condé ko sakkitori wiugo jama on do ko wonde ma o chantier ma dum o projet mo wuditi do boke ko train tawowo o transportai min jidin kono transportai kanyum kadi produits agricoles joni non mi fala en yilti to yon zone non fami piji didi taw zone agricole boke on ko honno wana e remede boke boke ka gandalan ko wana remede ton ko tawata innete ko remuru tigi tigi ka hore leydi ko maro seda tawowo dum don si tawi haraw inni ko autosuffisance alimentaire maro wona ko remede fore ko no buri dudude ko wona ko remede basket première des choses à comprendre donc lorsqu'il est en train de nous vendre un éléphant blanc en nous disant que son projet minier ou les activités minières qu'il a lancé les semaines passées concernent l'exportation de la bauxite mais en même temps aussi à long terme ou à court terme ce réseau ferroviaire sera utilisé pour désenclaver la zone de basse côte à travers
l'exportation ou le transport des produits agricoles. Il faut savoir que dans la zone de Basse-Côte, il y a deux choses dans cette zone de Bokeh en particulier qui sont cultivées. C'est d'abord le riz. Or, un riz qui peut rendre la Guinée alimentairement suffisante, c'est le riz de la Guinée forestière. Donc, à mon humble avis, s'il était question de développer une exportation ou bien un réseau ferroviaire permettant de désenclaver une zone de la Guinée pouvant permettre de transporter les produits agricoles, ça va être la zone forestière. Ça n'a pas été le cas. Par contre, c'est un prétexte pour endormir les Guinéens en les faisant croire que toujours l'espoir pointe à l'horizon. Il faut se patienter. D'abord, il faut rappeler que Alpha Condé, quand il est venu au pouvoir, il a parlé de PPTE. Il a dit aux gens de serrer la ceinture. Pendant que les gens étaient en train de serrer la ceinture, son gouvernement et lui étaient en train de faire une vie de pacha. Ils étaient dans un régime ostentatoire où le train de vie était un train de vie ronflant. Les Guinéens, pendant ce temps, étaient en train de vivre la dèche. Ils étaient en train de serrer la ceinture jusqu'à ce que nous avons obtenu ce que nous avions obtenu à l'époque. La promesse était que si les Guinéens se serrent la ceinture, ils verront le résultat de leur effort au bout du rouleau. Ça n'a pas été le cas en 2015, ça a été encore pire. Aujourd'hui encore, comme à ses accoutumées ou à ses habitudes, il nous vend un rêve, il nous vend aussi une chimère, il nous vend toujours un espoir parce que chez Alpha Condé, tout se conjugue au futur. Nous allons, nous ferons, nous construirons, nous installerons. Il n'y a jamais quelque chose qui soit fait pour dire nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et puisque il veut toujours faire son acrobatie, ses tours de magie, sortir toujours un lapin du chapeau, il nous sort son projet qui n'est en réalité qu'un projet où il a ses intérêts à lui seul et son clan, ce système dont on parlera tout à l'heure. Mais pour maquiller la chose, pour ne pas que les Guinéens se disent pendant qu'il a pris 700 millions de dollars pour investir ça sur un projet d'exportation à outrance de nos richesses, où la production est passée de 15 millions de tonnes par an à 80 millions, donc une augmentation, une multiplication de 4 fois et demi. Pendant qu'il est en train de faire ça, est-ce que le Guinéen, lui, il a eu un avantage ou un intérêt, un impact positif sur sa vie? La question, la réponse, elle est toute simple, non. Mais si ça ne s'arrêtait qu'à ça, ça va, on pouvait fermer les yeux. Mais un système composé d'individus qui sont au crépuscule de leur vie, qui ne se soucient pas de l'environnement, du futur, des enfants, de la génération, même de la planète, qui est en train de couper du bois, qui est en train de défricher, qui est en train de creuser, qui est en train de polluer, ne regarde pas que dans 5 ans, 10 ans, quelle sera la conséquence sur la zone qu'ils sont en train d'exploiter aujourd'hui, qu'ils sont en train de détruire. Je ne parlerai pas d'exploitation, mais de destruction, une destruction aussi massive. Revenons maintenant sur cette chimère, ce projet dans lequel se lance Alpha Condé, où il est en train de vouloir berner les gens en les faisant croire que ce projet, vous allez avoir, comme à ses habitudes, vous allez toujours avoir les retombées de cette exploitation parce qu'il y aura de l'agriculture qui sera développée, la zone sera désenclavée. Nous rappelons que la zone de Bokeh est spécialisée où elle est une zone connue pour la culture du riz, mais pas une culture suffisamment abondante pour nous permettre d'être alimentairement suffisant, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire. Ensuite, il faut rappeler que cette zone-là, elle est aussi connue pour être une zone où il y a la culture de l'acajou. Mais est-ce que cette culture d'acajou, elle se fait réellement dans la partie guinéenne? La réponse, c'est non. Elle est faite plus dans la partie guinéo,
Bissau-Guinéenne. Ce qui veut dire que même si c'était dans la zone guinéenne, en réalité, c'est une culture où on ne sera pas gagnant à tel point qu'on va dire que nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire parce que l'acajou est destiné à l'exportation. Ce n'est pas un acajou qui sera utilisé pour une consommation locale. Donc, il faut comprendre d'ores et déjà que ce projet, il est utopique. C'est juste une chimère. Premier des constats. Deuxième des constats, il est connu mondialement que la cohabitation entre mines et zones agricoles, elle est irréaliste. Pourquoi? Parce qu'une zone agricole est connue pour être une zone où il y a l'irrigation, une zone où il y a la nature, où il y a protection de la faune et la flore. Or, l'exploitation minière, c'est tout l'opposé de cela. C'est d'abord l'utilisation des produits chimiques, ensuite l'utilisation des dynamites, ensuite la destruction parce que les mines, par définition, c'est la terre, mais la terre niveau sous-sol. C'est ce qu'il faut creuser. Or, lorsque Alpha Condé dit que le projet sera fait concomitamment avec le développement agricole, il faut dire tout simplement stop, c'est du mensonge. Donc, yewtere nden mi yiltito e mayre do ko rabbidi. Alpha Condé ko ne wiide do wonde ma zone bokeh on ko waɗini o trem makko ɗo ko fi yo taw hara min ji ɗin yaltinay jawle meɗen ɗen o ɗannina kadi jama on o wiya ɓe wondema agriculture on ko ɗum remru on kañum kadi wallitete ɗon on ƴawra yeeso ko fenande non parce que goɗɗo wawata wiwde konko remete ɗon ko tawata haray ko maaro mais maaro iwowo kon foore no ɓuri ɗuɗude maaro wonko kon bokeh ɗon o wiya ko ɗum ɗon yata ha jama on hande kadi hara hinna maaro importé ko haala non o ɓaroray woni ɗum ɗon fi ɗanningol jama on ɓay toujours kanko ko yo faami jama on wakkile tun nafa kangino arde yeeso ɗimmel muɗum kadi ko honɗum remete ka zone bokeh ɗon koko ko tawata haray ko yalage yalage on non kadi hina e zone guinée on tigi tigi on yalage wona remede ko zone tawa won ko guinée bissau hay si tawno non hara koye zone guinée on wona e sengo fourkere laguine nde wona e remirede on yalage ko wona remede ɗon hina fi ko ñaame laguine ɗon ko fi ko yaltine komɓe non woni ko yaltinta ɗum non ko induɓe ɓen e chinoisɓe ɓen donc c'est destiné à l'exportation hina goɗɗum tawojum innayi nafa guinéenɓe ɓen hankin o yi Alpha Condé ka o yawno ka port o yinni mo yewtude hakkunde Albayrak e Rusal si ɗon anditi non e wanno vidéo on hankin ɗo explique ɗen wondema Alpha Condé ɓemɓe o sikki tigui ko wallitotoɓe mo fewno ɗo ko ɓen tigui woni moye fallude ko honɗum no waɗi ɗum non ko konko tawata o ala e eɓɓude taw si o taƴƴa woni non so eɓɓa ko honɗum no waɗi ɗum non par ce que Alpha Condé o arali fi gollal ngol laguine ko o ari ko fi dartagol guinéenɓe goho fi wota ɓen ɗon ɓe hewtuka laamu fi piridugol e maɓɓe fi rewugol fi maɓɓe donc ko woni e wadde kon foof o ala darde yollode ƴawrude on daara leydi laguine ndin hara on daarali kanko intérêt makko ma monnaie makko si goɗɗo non ardiri non e laamu ma joɗori wiwgol ko non laamorta ma wawirta nawrude leydi yeeso ndiyata e nokku donc haray ko raɓɓiɗi kon so daari nde yewtere makko non on yuɓɓidiri nde ko wiwno ɗen kon hankin wondema trewal ngal ɓe wingal dogay ɗon Conakry Express on wata dogude ko parce que risiɓe ɓen ɓe hollimo wondema ko kamɓe jeeyi hande ɗo o sikkuno kanko e Poutine Poutine wallay mo hendo ko fala ko mi profita ɗo non taw hande ka 4 juillet ɗo wiwgol Happy Independence Day to all my American fellows mo kala e mon ka wontiri hande ɗo ande ko fête nationale si tawno ko 2 octobre ñande ɓe wonnoɓe laydarde ɓe andi mi waɗuno kañum kadi fetugol guinée on par ce que ko 2 octobre woni fête nationale meɗen hande ɗo kadi leydi ɗimmiri wernude landindi tawata komi sitoi e mayri tawata hino wakkili fiyan hino hiwde fiyan ko États-Unis d'Amérique no woniri noon kañum kadi Canada ko troisième pays yango ma deuxième pays États-Unis woni troisième ala kulli hal hande ko fête nationale joni noon yuɓɓiren ɗo noon joni ko faala ɗen yahande ko noon ka toɓɓere aranere nden nde wiwɗen nden ko système woni e hoore yimɓe ɓen hari ɗum ɗa ko entre parenthèse tu wonno ɗe wadde fuɗɗorɗe nde yewtere ɗon ko tawata kon hara en wattori ɗon kañum kadi divers ji donc en ala jutinde ɗon mbay wina en jutin vidéo meɗen o on faami ɗon Alpha Condé siko arɗo gollal ngol laguine e siko arɗo gollal ngol hoore makko donc pour toute personne réfléchie vous pouvez bien comprendre que
Alpha Condé n'est pas venu pour la Guinée, il est venu pour ses propres intérêts. Il n'est pas en train de servir la Guinée, mais il est en train de se servir de la Guinée. Il ne se sert pas de la Guinée tout seul, il est en train aussi de servir son clan dans cet intérêt qui n'est autre que le sien. Maintenant, essayons de voir, la Guinée, elle est indépendante depuis 1958. Elle fait d'abord partie de ses premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à accéder à l'indépendance. D'ailleurs, le premier pays francophone de l'Afrique de l'Ouest à accéder à l'indépendance. Après, bien sûr, le Ghana qui était une colonie anglaise. Après la Guinée, il y a eu d'autres pays qui ont accédé à l'indépendance. Ces pays sont nos voisins. C'est le cas notamment du Sénégal, c'est le cas notamment de la Côte d'Ivoire et du Mali. D'ailleurs, on dit que le Mali et la Guinée, ce sont deux poumons dans le même corps. La Guinée, contrairement au Mali, a accès à la mer. Donc, ce qui nous donne un avantage par rapport au Mali. Mais lorsque vous regardez en termes d'infrastructure, en termes de développement, le Mali, malgré le djihadisme, malgré le terrorisme, malgré la guerre, malgré le désert, malgré tous ces désavantages, le Mali est plus développé que la Guinée. Comment se fait-il maintenant qu'on parle de deux poumons au sein d'un même corps et que la Guinée, malgré ses potentialités hydrauliques, agricoles, minières, accès à la mer, que nous soyons toujours à ce niveau de retard? Essayons de faire un petit décryptage pour comprendre que depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958, il y a eu un système, il y a eu un clan qui n'est pas composé, contrairement à la culture générale, que des malinqués contre des peuls, comme c'est ce qu'on essaye de nous vendre. Opposer une partie de la Guinée à une autre partie. Or, on dit que la Guinée est une famille. J'en conviens que la Guinée est une famille. Mais il est important de souligner que dans cette famille, il y a un clan qui est composé effectivement de tous les membres de cette famille qui s'accaparent des richesses et qui utilisent des individus pour opposer les uns contre les autres. Haray ko ma famé mo ya o système taw do wada ma gibi 1958 ha ka hewtu den do. Hino wada ka hakileji meden ka tawata do mi do andi buyi data. Wonde mako maninka bebe woni e warde fulbe ben. Wonde mako system tawdo pullo onno woni riwo kanko ko yo ware. Kono mi fala ara yen tasko mo jandare nde yewtere. Hay si tawi hara hinde batti gonga. Be wonbe warde ko maninka be tun woni e warde fulbe tun. Ka ko maninka be hawtindiri e leji lutude din e dar mabbe ben tawabe warete ben woni e warde. C'est dans 1958, par exception à l'indépendance, wadi, na PDG RDA tun wakilino indépendance on déjà dao wadugol référendum en le 28 septembre, na maninka tun darino wi i voti no, fiyo no on lato gine hendo indépendance mudung. Wiete do Bari Jawad, wiete do Bari Troa, wiete do Saifullah Diallo, fo walinir no joni jude, pedo ko ful beni. Taube donc, indépendance on na maninka na so sotou na forisye hendi mo. Ko gine yon fo wakili, wopbe wi id wi, wopbe wi id no. Wi ou nopbe wi, bay important, ma ko gine yon fo kadi hawtindir no wi golleng. Malheureusement, klango taw do hanjoni ko wane kontinide, eti sistemo, nangi fulbe, nangi maninkabe, nangi sosobe, nangi forisyebe. Kambuaro si on yehi don on dari listwara ben fop. On tawa yiko fulbe buri dudu de kono na fulbe tun. Nangu don benka di na maninka betun arno nangibe na foresye be na soso betun. Fulbe tawa no yede non sugol. Fi yino yomburtu famu de dun domo ya ndare ngande doko yondo feundi denge mulu. Ma do yendaro hande do yilti to den seda ka di feundo lamu seku. Feundo lamu kan lansa na konte alla yino mo yafo. Lansa na konte harifiko soso jo soso fo hetino. Kalan sana konte daranino kontro fulbe fo waribe. Reponson, lansana konte bayari, ondaro no ben taunobe o tanji nike ko bedo yana no ehore mudung, o inibe o jonibe liberalismi yobe wakilo. Yaltunobe fo imi artinati lagine, futi golede, lagine ye yeso kawunido. Yono sendari lagine fe ondo taunobe 26 ans do reign, se kuture on.
Konko lagini wadi don kondaro en 24 ou 25 andoreng lansana konteo. Dindo nidi kuhondi ya majigine urti yaru de yeso. Si nous allons en termes de comparaison des deux régimes, le régime de Sékou Touré qui a fait 26 ans de règne, et celui de Lansana Conté qui était un militaire, qui n'était pas instruit comme ce fut le cas de son prédécesseur, qui était lui autodidacte, mais qui était plus éloquent, plus instruit et plus entouré que le militaire. Faisons une comparaison des deux périodes qui sont à peu près égales. Celui qui avait 24 ans, près de 25 ans de règne, et celui qui avait fait 26 ans. Lequel avait le plus développé son pays? C'est celui-là qui avait compris que la Guinée est une famille et qui n'a pas marginalisé une ethnie contre une autre. Même s'il faut noter, et aujourd'hui justement, hasard du calendrier, nous sommes le 4 juillet 2021. Et notre 4 juillet, mais cette fois-ci 84, coïncide justement à un coup qui était celui qui appelait le coup d'état de Diarra, où des Malékés avaient payé le prix d'un engagement ou d'une lutte. Ces Malékés qui étaient avant au pouvoir, dont certains avaient été instrumentalisés pour être un système contre une autre ethnie. Mais ce n'était pas que cette ethnie qui avait souffert de ce système de Sékou Touré. Donc, pour ne pas qu'on se perde, faisons cette comparaison. Lequel avait plus développé son pays? Sans équivoque, nous comprenons que le militaire qui a fait moins de temps que son prédécesseur avait sorti son pays du bourbier plus que son prédécesseur. Pourquoi? C'était 85, effectivement, c'était pas 1984, excusez-moi et merci pour la rectification. Celui-là qui avait fait moins de temps avait pu développer son pays. C'était quoi son secret? Il n'avait pas mis à l'écart une ethnie, il avait mis les Guinéens au même pied d'égalité. Si maintenant Alpha Condé est venu en disant qu'il allait reprendre la Guinée là où Sékou l'avait resté, c'est-à-dire qu'il va prendre le système qui était là, le remettre en marche pour espérer développer son pays. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes pour deux choses. Parce qu'il y a eu un individu qui est venu au pouvoir avec une haine du Guinéen, mais particulièrement du peuple. Mais pour atteindre son objectif, il faut qu'il instrumentalise les autres ethnies contre ce peuple. Je sais que je suis très mal placé pour parler de ça parce que je suis de l'ethnie peul. Mais je suis encore bien placé pour m'adresser à mes compatriotes, particulièrement au peuple, pour leur dire d'enlever de leur tête que ce sont les Malinkés qui sont contre eux. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Je sais que une telle discussion pourrait porter préjudice parce qu'on estimera que c'est un déni de la réalité que je suis en train de faire. Non. C'est un piège qui est là dans lequel nous ne devons pas du tout tomber. Ce piège, c'est quoi? C'est que les Guinéens ont intérêt à cohabiter. Et les Guinéens ont intérêt à comprendre que ce système, nous ne pourrons le vaincre qu'en nous aimant les uns des autres. C'est-à-dire que moi qui suis peul, je ne dois pas admettre dans la tête que le Malinké est contre moi. Ou que le Soussou refuse d'être à mes côtés contre ce Malinké. Ou que le forestier est indifférent. Il faut qu'on enlève ces idées de nos têtes et comprendre que le système là, qui est en train de nous étouffer, il est composé de toutes les ethnies. Et par conséquent, pour déstabiliser ou pour désamorcer ce système, il faut aussi le concours de tous les Guinéens afin qu'on puisse enfin sortir de l'ornière. Si toutefois, et ça concerne notre deuxième point, parce que nous avions commencé par le premier, si toutefois on vous dit que le peuple, une fois au pouvoir, fera une vengeance, essayons de voir, est-ce que ce peuple déjà, pourquoi est-ce qu'il se vengera? Pourquoi on nous dit que ce peuple-là, il ne fera pas mal, mais il se vengera? Pourquoi à la place du mot justice, on parle de vengeance? Pourquoi au lieu de venir attaquer celui qui fait l'injustice, on s'attaque à la victime? C'est parce que c'est fait à dessein. C'est parce qu'en réalité, ils sont en train de masquer un fait. Ce fait, c'est quoi? C'est que
Le peuple qu'on accuse de tous les sept péchés capitaux d'Israël en disant d'abord qu'il est ethnocentriste, qu'il est esclavagiste, qu'il est rancunier, qu'il rejette toutes les ethnies, lui, à son profit. Essayons de voir ce peuple-là. Quel est son comportement dans son pays? Aujourd'hui, si nous regardons en termes de mobilité des personnes, le peuple se déplace le plus en Guinée et dans la sous-région que toutes les autres ethnies. Comment alors comprendre que quelqu'un qui est mobile dans son pays puisse être quelqu'un de replié sur soi-même et qu'il puisse rejeter les autres alors que c'est lui qui se fait accepter dans les zones d'arrivée, les zones d'accueil? Un exemple très simple. Lorsqu'un peuple de l'Abbé se déplace pour venir s'installer en Haute-Guinée ou en Basse-Guinée, il ne vient pas à l'idée de s'installer dans ces zones pour que lui, sa culture, soit celle qui va primer sur les autres, qui va étouffer les autres. Non. Au contraire, lorsqu'il vient, il s'intègre. Sa première intégration d'abord, c'est le fait d'aimer le lieu où il est venu en achetant des terrains et en y investissant. Donc, il devient un garant pour la prospérité de cette zone. Un. Deuxièmement, il épouse la langue du territoire, la langue du terroir, la langue de la zone, à tel point que c'est dans les familles peules que vous pouvez rentrer et trouver que la majorité, sinon la totalité des membres de la famille, ne parle pas la langue poulale, mais la langue du terroir. Comment alors comprendre que ce peuple-là, qu'on l'accuse d'être ethniciste ou bien qu'on l'accuse d'être raciste alors que c'est celui-là même qui épouse les critères ou les caractères ou les traits du lieu qui l'accueille. C'est inconcevable. Il en est de même que lorsque ce peuple sort de la Guinée, qu'il aille dans un autre pays, que ce soit en Sierra Leone, que ce soit en Gambie, que ce soit au Sénégal ou partout ailleurs, partout où il vient, il a la capacité de s'intégrer à tel point même qu'il devient un assimilé à la zone. Donc, comprenons très bien que cette idée qui est véhiculée, c'est une idée qui est exacerbée par certains individus qui pensent être victimes et qui pensent que c'est tout le monde qui est contre elle. Il faudrait qu'on change cette vision. Il faudrait qu'on change cette lecture pour que le peuple comprenne d'abord lui, avant que les autres ne le comprennent, qu'il ne s'agit pas de tout le monde contre lui. Il s'agit d'un système contre lui ainsi que les autres. Si aujourd'hui nous faisons une analyse sur les geôliers de Corentine, particulièrement ceux-là qui étaient derrière Alpha Condé dans le parti RPG. Si je prends l'exemple de la dame qui est Bangoura, tantôt qu'on qualifie d'être Bangoura, tantôt qu'on qualifie d'être une Souma, même une Camara. Elle était membre active du parti d'Alpha Condé. Mais lorsque Alpha Condé a estimé que la femme est en train de s'opposer à ses idées, il l'avait mise en prison. Ismaël Condé, dont la mère même a fait la sentinelle chez Alpha Condé pour le sécuriser, lorsque lui, il a dit que je ne veux pas d'un troisième mandat pour toi, il l'a mis au chaud. Il l'a mis au frais, plutôt. Les exemples sont nombreux. Si maintenant nous regardons ces personnes-là, ce ne sont pas des peuls. Ce sont des malinqués, la même ethnie qu'Alpha Condé. Pourquoi c'est important de sortir cela? C'est pour que vous compreniez que c'est toute personne qui s'oppose à ce système qui devient en réalité la cible et la victime du système. Fut-elle Peul, Soussou, Malinké. Malheureusement, l'ethnie qui a décidé de s'opposer à tous les systèmes pour le bonheur de tout le monde se trouve être l'ethnie Peul. C'est justement cette ethnie-là aujourd'hui qui est victime. Pas parce qu'elle est Peul, mais parce qu'elle a choisi de s'opposer pour qu'il y ait un changement bénéfique à tous les Guinéens. Ce qui veut dire que si le Soussou fait de même, il sera lui aussi victime. Si le Malinké fait de même, il sera victime.
Regardez ce qui s'est passé dans les zones minières des orpailleurs en Haute-Guinée. Lorsqu'ils se sont opposés à Alpha Condé, il ne les a pas regardés en tant que militants. Il les a regardés en tant qu'opposants, en tant qu'ennemis. Il les a tirés à bout portant. Je parle de son système, de ses forces armées. Lorsqu'il y a eu aussi des émeutes dans la zone de Gawal, il n'a pas réprimé, son système n'a pas réprimé parce que ce sont des peuls qui sont là ou bien c'est parce que c'est une zone de la basse-côte. Ils ont réprimé tout simplement parce que c'est des gens qui se sont opposés à son dictat et à sa volonté. Pourquoi c'est sorti tout cela? C'est pour que vous, les compatriotes, vous mes frères et sœurs, que vous compreniez que ce système-là n'a pas d'ethnie. Ni d'ethnie pour l'aider, ni d'ethnie pour s'opposer à lui. Il n'a que ses intérêts, et quiconque se dresse contre ses intérêts sera traité comme tel. Il est important aujourd'hui qu'on comprenne que l'ennemi du Guinéen, ce n'est pas le Guinéen lui-même. Particulièrement, ce n'est pas le peuple. Et le peuple, qu'il comprenne son ennemi, il n'a d'ailleurs pas d'ennemi parmi les autres ethnies. S'il a un ennemi, cet ennemi peut être même parmi les peuls. C'est pourquoi le système de Alpha utilise des peuls pour aussi arrêter d'autres peuls et pour tuer d'autres Guinéens. Donc, nous n'allons pas nous attarder trop là-dessus parce que l'essentiel pour moi, c'était que mes compatriotes guinéens, particulièrement les peuls, cessent de se victimiser en se récoquivillant derrière l'ethnie. Le faire serait de jouer le jeu et d'aider Alpha Condé et tout le système aujourd'hui qui est incarné par Alpha Condé d'aller dans ce projet machiavélique d'opposer les Guinéens contre les autres. Je ne connais pas le système Conté, le système Touré. Je ne le connais pas. Mais le peu que j'ai lu dans les livres d'histoire, ce que mon parent et ce que les gens m'ont dit, je comprends très bien qu'il y a eu des victimes peuls en majorité, sous un régime qui était dirigé par un malinqué. Mais ce régime du peu que je connaisse n'a pas œuvré pour que la Haute-Guinée se développe mieux par rapport aux autres régions. Primo. Secondo, cette ethnie qui estime être la victime de par le nombre de ces morts dans les prisons, dans les exécutions, c'est une ethnie peul, j'en conviens. Mais ce qu'il faut savoir, que si c'était aussi les Soussous qui avaient fait de même, ils auraient été traités de même. La preuve aujourd'hui, nous sommes dans un régime où tout le monde, toute personne qui s'oppose à Alpha Condé sera emprisonnée, s'exilera ou sera tuée. Donc, je vous en prie. Je vous en conjure. Mettons de côté ces querelles ethniques pour regarder tous vers un idéal. Les États-Unis d'Amérique, ce sont 52 États qui se sont unis pour être la plus grande nation, d'abord démocratique, militaire, économique, en un mot, la plus grande puissance. La Russie avait perdu sa force à un moment donné. Parce que l'Union soviétique s'était désintégrée pour devenir un pays divisé. Ils ont perdu de la force à un moment donné. Lequel des deux nous allons imiter? Est-ce que nous allons imiter les Russes à un moment donné qui avaient perdu de force de par leur désunion? Ou bien nous allons imiter les États-Unis et tous les pays qui ont décidé de joindre leurs efforts? La réponse, elle est toute simple. Unis, nous sommes forts. Désunis, nous sommes morts. Alors nous, peuple de Guinée, continuons à observer Alpha Condé ou ce système. Parce que Alpha Condé, si nous ne désamorçons pas ce système, ça va être aussi une autre continuité. Parce qu'il y a des individus qui ont décidé de regarder leur intérêt, mais pas l'intérêt du pays. Parce que si jusqu'ici, nous continuons toujours d'être à la traîne, c'est parce que des gens ont décidé de marginaliser une partie des Guinéens pour leur propre intérêt. Il faut que cela cesse. Il faut qu'à dorénavant, que moi qui suis un peuple,
que je ne regarde pas un soussou, un malinqué ou un forestier comme étant un ennemi ou un adversaire. Que je le regarde plutôt comme un semblable, comme une personne qui vit le même tort que moi. Il est en train de vivre les mêmes difficultés que moi. Et par conséquent, si nous nous donnons la main, non seulement nous allons arrêter ce système, mais aussi nous ferons en sorte que le Guinéen ne soit pas le premier candidat à l'exil ou à l'immigration clandestine. Un pays qui est devenu aujourd'hui le plus grand exportateur, si ce n'est le premier ou l'un des plus grands, d'exportateurs de richesses minières, mais que ses citoyens soient aussi l'un des plus grands candidats à l'immigration clandestine. C'est-à-dire aujourd'hui, la Guinée, c'est le plus grand pourvoyeur de demandeurs d'asile dans le monde. Enfin, les pays en tout cas qui ne soient pas en guerre. Comment comprendre alors que pendant que les richesses du pays sont en train d'être vendues au plus offrant, dilapidées, que le Guinéen, lui, soit lui aussi vendu au plus offrant dans les pays, soumis à tous les traitements inhumains? Comment comprendre cela? Jusqu'à quand nous allons continuer d'observer cela comme si de rien n'était? Ça va continuer tant que nous sommes en train de nous regarder en chien de faïence. Donc, Diama la Guinée, femme et moi, ya. Be wonbe e warude hande do be ala warirde yimbe ben fi bay tun ko be fulbe hay si ko dum hibe warirde be paske be do be ndari be tawi ngun jaggu wata gasude mabbe be subi kambe dartagol feewndo seku toure wonno kalamu o gollana no maninka be ma hot gine buri ko tawno hare o gollani region ji luttudi din Manika pensi en subido en dari en limi 26 ans de règne feondo tawno ko seku en nan do règne katawata ko seku ba konate alpha konde kanyun kadi 10 ans ji makko din sen hauti viri dido fo ko dubi jeru 37 ans en der 63 ans gibi hendi den independence 63 ans aiti 37 ans der ton. Ça veut dire que plus de la moitié gibi Guinée ina hendike indépendance maninka bi hikki be yeso ben putini rali sabu dum on jali rali dum maninka jon sabu ko maninka ji woni yeso pullo wullo do non e der koko wulli do wullinira haka bay ko pullo ko wullinira ko paske kanko o subi ke dartagol o sali ke njagumu o wakili o wi mi do jokki handi leydi hetto paske kami ari wo mi gollay mi gera don hetto kala non subido kadi wadirgol wa pullon woni ko maninkaaji woni ko sosojo woni ko forestierjo ko karewi e oda konko dum kadi rewata e makko cede on ismaël konde tawno do nene makko yeyi hay ayni suudu alpha konde no fewndo alpha konde wonno ka opposition alpha konde ndari rano do wi o biddo o do bay wi falana kala 3e manda mi bonota ko e makko mi accayno mo don on nabuno mo ka kaso pandan enna debbo wiyeteedo on ko bangura wonde be wiyata mo wonde be inna ko kamaraajo wonde be inna ko sumaajo ko debbo tawno do hinno tawano ka membre RPG arc-en-ciel der ton wakkilani do fi Alpha Condé kono bayon debbo ini biddo makko on winda ka kalarme Alpha Condé jettuno mo nabi mo soki fi kala gogo ko debbo dimmol mun ko militantjo 3e man ko towdo duubi siko pullo non tun e wiyaino ko pullo tun ko nodo na pullo ko darani nodo kadi walliti kanyum Alpha Condé donc femme moja itenka hakilaji men konko tawata ko wallitagol Alpha Condé wonne wadude tuma goddo pullo jodi wiya ko victime bay ko pullo tun o hadalon ko victime bay ko pullo parce que hande ro pullon il suffit que ya wadu puto rundu yalta ka circulation police ji adato do ma hayna den taw no dogirta no mo suya e otowal madangal ko don taw andirta mo renirma wa marchandise hande ka honde wadde o direct meden do jemma hanking hechankin fo raful ji continue a wadde de nanga yimbe be tawata hande do ko 1 million 1 million 500 wona lande de fiyo be hetto fiyonu parce que be tanginira mbudi hen dotto be parce que wana ma kambe ko be marchandise ko be njulortere joni no wot en wallito non Alpha Condé e konko tawata don himo jettude fewtina hakille jama on fo wi a pullo ko anyo do leggi luttudi din ko wado wo maccanka ko e hore yimbe luttube so ari kalamu o yottoto ko wada ko fiyon non ko wona wiyede pullo on yottoto wi aka pullo on wada e sari ay hore bonnunobe be ko hala wota ko non ka wona yewtirede no wiugol yottoto
e wiugol justice wada e hino sedi. Paske yoto ton, ko duwe ni achata. Ko ma wada bonna. Joni non kon haisi endari don, yota gol nako paske awada noma. Ko nupullo non, ina yota gol o wado eta. Paske si ko yoto ton olu, gibo futa wada ede ha heuti hande do. Ko njelo yoti ehore mu. Mido fami hande yalto bedo wia, si piro wada kangal yarki e serdu ngal nati e serdu en heta tandi mu medengu. Ko gonga. Kono ndareng hande Côte d'Ivoire do tauno benko gerebe wadono do be inni be mo inni ka leydi mabbe be itimone ndareng hande Alassane Ouattara ndareng Guillaume Soro ndareng do Laurent Gbagbo ko onto woni ko gere non be wadono pendant plusieurs années no pirede hande do ibe artiti kadi o point de départ parce que feondo ka feonda do ni wombe Côte d'Ivoire be no andi moja ko ko moni yewtude fu mo fi mon do. Les cartes sont rabattues et article à point zéro. Hande do ino wai wadde kadi ko wanno ko ngontuma, on va répéter toujours le même cercle, la même histoire. Wabbe narende yawterando wia ko mi fala wide ko wata in yotto yin achulo. Wabbe kandare yawterande mfama wondema, piez mo alfa konde wune wadde on, wata in wali tomoton, paske wali tagol mo yon piez ko yetu gol wade nhore men ko yon victim paske ko yon fulbe, alor ke non ko yon victim paske yon subike darta gol. Kala non on hande tawdo ino wai darta de, uyi nundo otawi motya kone wade, mu wai en tawto de, pa paske o tawti yon ko yon fulbe me paske o tawti yon paske moreni gonga on ko chude mede wuni. Si mi wino nundo mi wole radun wasi ko mi pullo kuntu mi wii tawti me. Ko paske ande mi desi di darta gol. Mi fala non on kala wombe ndarde lambe ndo paske en heuti kalanno de video me dengo yon yotti ge kala di mojo modon si goddo wi on pullo yida leji luttudin yete mo pullo on taw sabande makatai kon lagine fo o jinda e kaw yi o heuti o kadi o jodo to wasi ko don wonno ngurna makko nan gibi o taga on wata arde heuta e nokkure anyabe yimbe den nokkure. Goddo tawdo ino mari jawdi sakandi hore leedi on wata yidude gere wada o wata yiwde mo anyi goddo paske mo andi so anyi on jawdi makko nin ndi hewtete joni pullo wata wonde anyodo leji luttudin sede mudun si pullo imme ke ari hewti e hodo o sodi leedi don o dankoto din o nada jawli don wasi ko don wonno ga makko o gera bibbe makko ben kadi o yidi o anyi bembe ya haabe nana kan hala don ko pullo nata e der bengure mum tawa bibbe ben ino wolde soso har paske ko zone soso be woni ko pullo wata arde e bengure makko tawa mo hotgine tawa ko maninga wona wolede kande suudu wasi na fulbe wonno do ko lenyol hongol luttungol wawdon yide ino immo wano be fonctionnaire bem do andi ti wano pita immeto no be region ji luttudin ara pita non wada be ben ka cité kaka site ji don be woni ko seeda be mabbe innata soda investisa don wa awasi ko don jeyano do wala non pula labu ngal pos fono nan tori da no hejja kono so yewto yi nyande go si dubi to wi be nebe hoti ka mabbe ko tombe andi ko tombe jeya goddo e gorebe am mo wolta inde mun do me so reconnaitra himo andi nyande go men fotto ino ka mabbe ka inna don ka mabbe tay mi do yeyi vacances e hore kam doga ino e de kamionje bayo nabila nka mabbe mi yigalle mabbe ne mi jibino si ko o mi andi hino e cité hi mawbe makko jannobe be rentré couché on parce que ta investissement mabbe wadi on ende no kure mi mi jatano be marani on initiative wadu gol pour le non c'est l'inverse pour le ko investi sa ta no kure de wari mudun den wonde o yeggita e ko wiuno do preuve ngande do ndare futa koko bonna do fop libana kombe. Donc tay njabu wallita golbe kan gesa yen wi'u jama luttu benno anye wombe gerrude meden be ganyube be ngibe tawa meden ko fulbe go ko ben don duwa den wattude fere wattindire e fere taw jaben dun non sengo men sengo non le luttu den kadi hollembe assurance fenande ne yaltintinende e kene wonde ma ben wombe wolde pije hore men be wola e woni tun fiyo ngaygo wonno hakkundeji meden hara non en jabali wallita gol non si goddo inni leji luttude no anyuma kadi wayde anyimmi ko ella non hare mi toriki Allah yo udditu en berde de modja e hakkilaji din o wawna en famude modja wonde ma koko moni e wolde do mi wawli ran nafigi yaga ko moni e wolde te ko paske ka der bengure an mi yeti ke on mi do mari tourebe mi do mari kondebe mi do mari dumbu yabe mi mari kamarabe
be mi do andi ko honno mi wondiri e mabbe mi do andi giggol gol be marani mingol mi do andi yurmende de be jogani lande mi do andi kadi si goddum hebi lan ko ha honto dum musata be ko honno be wollan e dartoranade hande do be dartonanaki lan bay ko mi pullo ko be dartorani ban so parce que meden huwondiri huwondiran amengal kadi ko labungal mi fala ginen kala yo yirni di momo